bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, moi personnellement ça va super, ça va nickel. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de South Park The Stick of Truth. Et je me suis dit que on allait sortir récupérer des potions. Et en fait je remarque que l'on ne peut pas, vu que la porte est fermée. Écoutez, c'est plutôt cool. Potion de santé, ouais c'est toujours de ça de prix. On fouille un petit peu la maison histoire de récupérer des affaires. Et après on retourne se coucher pour pouvoir combattre contre les nains. J'espère que ça se passera bien. Hop. Hop, parce qu'il y a des trucs sympas ici que je peux récupérer. Tournevis, d'accord. D'accord, ok, bon, très bizarre. On a récupéré de l'argent. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose par ici. On peut pas ouvrir cette, ce tir. Ah bah c'est déjà ouvert, ok. Ok, ok, mince, c'était là. Et écoutez, on va faire un petit tour dans notre inventaire, histoire de voir les meilleures choses à prendre. Plus 10 d'armure réduisant les attaques ennemies. Ouais. Réattaquer quand vous tuez un ennemi. Ouais, ça c'est pas mal. Au niveau de ça, nous avons plus 15% de dégâts à aptitude après une attaque parfaite. Plus 17% d'armure réduisant les attaques ennemies. Nous avons quoi au niveau du gilet de SWAT qu'on fait aptitude de renforcer en dessous de 15% de points de vie. Le costume d'alien, ça c'est pas... En fait, j'hésite entre le gilet de SWAT et le costume d'alien. On va reprendre le gilet de SWAT, c'était intéressant. Plus 8 d'armure. Ou le gilet, ou les gants, c'est plus 10 d'armure. Moins 15% de dégâts lors des blocages. Ah merde. Écoutez, on va reprendre ça aussi. Au niveau des armes, qu'est-ce qu'on a qui est intéressant? Bah, pas grand-chose. Et au niveau de ça. Ah, il y a ça tout en bas. Non, il est moins puissant. Je crois que j'ai rien de plus puissant que ce que j'ai actuellement. Et écoutez, c'est parti. On y va. On va essayer d'y arriver pour aujourd'hui. On va, je vais laisser la vidéo parce que là, c'était la dernière fois. Donc, voilà. Ok, c'est parti, let's go. Alors, déjà dans un premier temps, on va essayer d'en toucher le plus possible. Rayon alien. Hop, nickel. Concentration. Et lui, concentration également, ok. Hop. Nickel. Ok, première partie du fight terminée. Ok, on reprend dans de bonnes bases. Alors, hop, comme ça c'est fait. Nickel. Ok, lui il se concentre. Ok, d'accord. Ok. Ok, on a plutôt géré au niveau de ça. On va voir ce qu'on a comme potion. On n'a pas de potion de fortitude, ce qui est assez dommage. On a une potion de vitesse néanmoins. Potion de vitesse, ça c'est quoi ça? Un savoureux mélange à combler le vide abyssal.
Écoutez, hop, on va le prendre. Défense améliorée. Oh, pas mal ça, c'est cool. Ok, donc, on a une défense améliorée. On va peut-être faire un petit lattage de couilles à lui, pourquoi pas. Ok. On lui a bien baissé la vie. Ok, on a un autre tour. C'est à nous. On va tester ça pour voir ce que ça donne. Ok, c'est pas terrible. Concentration. Ok, on sait se protéger. Ok, lui il est mort. My god, j'ai même pas vu ce truc. Merde, ils sont en train de me défoncer, je suis en train de cramer. Vite, une potion de guérison. Nickel. Voilà, ça c'est fait. On n'a pas trop le choix là, on n'a pas trop le choix. Faut que j'y aille en mode bourrin comme ça. Ok, nickel. Oh merde. Non. Concentration, d'accord, ok. J'aurai un peu de temps pour me re-soigner. J'ai pas une grosse potion de santé. Potion de santé, potion de résurrection. J'ai une potion de santé. Voilà, nickel. Ça, je suis obligé d'utiliser ça comme ça. Nickel, voilà. Potion de synergie. Hop. On se protège. Oula, oulala, oulala. Oula, lui il a encore toute sa life, donc on va faire très attention. On va se protéger le plus possible. Ok. Ah merde. Ok, on a tout pris dans la gueule. Mais what the fuck, il attaque pour 4. C'est bon, merci. Potion de guérison. Tac. Oh bah nickel, on l'a one shot. Enfin la two shot. Hop, on récupère tout. Rappelez-vous quand même, la dernière fois on a galéré ici. On s'est fait défoncer. Mais bon, là on a plutôt bien géré. On va voir, on a des nouveaux gants. Gants de gnome. Plus 10 d'armure, plus 20 de dégâts avec les armes à main. Sachant que le truc qu'on a nous actuellement, c'est celui-là, plus 10 d'armure, moins 15 pour... On va tester ça, hein, écoutez, on va pas se priver. Hop. Bon, je suis rentré dedans parce que je pensais que c'était dedans, donc ça a l'air d'être par là. Ouais, il y a des œufs là et tout, c'est trop bizarre. Franchissez l'espace infirmural. Pâte d'araignée. Ah putain, je m'en doutais de celle-là. Je m'en doutais de celle-là, mais à un point... Comment je peux faire alors du coup pour passer? Comment je fais pour passer du coup? Comment je suis censé passer? Comment je suis censé passer sans déconner? Ah peut-être avec ça? Non. Non. Merde. Sans déconner. Je suis censé passer comment? Hop, on va faire ça vite fait. Merde, il y en a encore. Voilà. Là, on va encore mourir. Oh mais putain, mais d'accord. Ok. Oula, rat. Merde. Non. Dégage.
Mais merde. Ah non, bon, d'accord, ok, il m'a attaqué. Bonjour, monsieur le rat. What? Ça va, tu te sens pas ultra cheat, monsieur le rat, là? La tâche de couille. Ok, il va pas se relever avant un bon moment. Ok. Moi, je vous fais du rat. Je vous fais du rat grillé, moi. Sinon, comment j'étais censé faire pour détruire le truc qu'il y avait là-haut? Je ne sais pas. I just sometimes feel like we should tell him the truth. Why? So we can relive it all in his head? It's better that he can't remember. But if he really has this gift, he's going to discover it again on his own anyway. And then they'll try and use him for his gift and he'll become a weapon. They won't stop looking for him. We have to keep everything secret, even from him. I'm so frazzled. Will you just make love to me? Of course I will, darling. Non mais ils sont pas sérieux. Victoire. On a eu une victoire pour avoir vu nos parents faire l'amour. Plutôt pas trop mal. D'accord, on peut grimper sur les câbles. Ok, donc c'est pas par là. Oh, l'intelligence. Hop, voilà. Excusez-moi très cher. Non. What the fuck? Ouais. Peut-être que faisons ça. Mm-hmm. Ah mais attendez, oui je sais. Voilà. Ah merde. Bon bah tant pis. Petit attache de couilles mon cher Annie. Annie, rat. Mon cher petit rat. Un petit attache de couilles s'impose. Tu ne crois pas? Oh putain, ça fait trop... ça fait tellement mal. Je les plains à chaque fois. Hop. Putain mais cette technique est parfaite. Le lattage de couilles, c'est parfait. C'est si vous avez un problème avec quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à utiliser cette technique. Bien entendu, je rigole, ne le faites pas. Oh putain, pioche de gnome. Eh ben, non. Ah ok, d'accord, fallait juste attendre. Ok, d'accord. Et sinon, faut que j'aille par où? Parce que je veux bien. Peut-être que je retourne en arrière. Regardez, par là, j'étais pas allé vu que je savais pas qu'on pouvait monter. Une balle super rebondissante. On va récupérer une nouvelle arme. Ah, d'accord, ok. En fait, j'avais juste à faire ça et le mec il était mort. Ok. Potion de puissance, bah ouais, je peux pas la récupérer. On a trop d'objets dans notre inventaire. Du coup, on peut pas jeter quelque chose. On peut rien jeter. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder un petit peu notre inventaire. Ouais, mais il fait de la foudre. Lui, il fait pas pénètre 20 de l'armure ennemie. Une attaque parfaite réduit les boucliers de 3. On va tester. Balle super rebondissante. Waouh, 100 points. Eh ben. Plus 15 d'armure réduisant les attaques, on fait 3 pp à chaque tour sous forme de rétréci. Et moi, qu'est-ce que j'ai actuellement? J'ai rien, d'ailleurs. Comment ça se fait que j'ai rien? Ah mais what the fuck, en fait, j'avais que dalle. Pourquoi j'avais que dalle? Je ne sais pas. Peut-être que je peux utiliser le...
Non, ça a pas l'air. Tu peux... Mais non, va de l'autre côté, bordel. Voilà. Ah, peut-être que je peux descendre. Non. Mais... What the fuck, c'est par où que je dois aller? Bon, en tout cas, ils sont... Ah bah d'accord, putain, je suis con. Faut que j'aille là et que... Je monte. Voilà, j'en étais sûr. Non mais what the fuck? Ils sont pas sérieux. Ok, on va voir si la pioche sert vraiment à quelque chose, sinon... Fuck me, you fucking cocksucker! Come on, fuck me, I said! That all you got, bitch? Yeah, call me bitch! Yeah, you dirty little bitch! Yeah, I'm a real dirty bitch! Wanna see me in the panties? Ok, Nickel. Et le dernier. Hop! On a tout esquivé, on va utiliser ça histoire de d'enlever quand même les armures. Ok, je suis concentré aussi. Et lui, remaniement des priorités. Ah putain, j'ai fait trop tôt. C'est pas grave, je suis ralenti. Hop. Défense réduite. On va utiliser une potion de... Non mais t'es sérieux mec? What the fuck quoi? Non mais quoi? C'est pas croyable. Le mec il utilise deux trucs en même temps. Écoutez, je suis obligé. On va se prendre une potion de... Une potion de soin. Puis après au prochain tour on se prend une potion de... toi... What, ça one shot, ok d'accord. Prochain tour on prend une potion de... réduction de guérison là. Hop, potion de guérison. Nickel. Hop. Oh, j'ai simplement cassé son armure, sérieux. Ok bon, c'est pas grave, il s'est concentré. Hop. Écoutez, on a plutôt bien géré, je trouve. Niveau 10 atteint, on peut mettre du coup ça. Et ça, voilà, nickel. Écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce nouvel épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Allez, tchou tout le monde.